Et salut à tous et à tous, c'est Marco. On se retrouve pour la suite de la mission du premier chapitre. Donc là, on doit escorter les chars à travers la forêt. Ok. J'espère que je vais tomber sur des autres armes. Sinon, j'espère que vous allez bien. Oh, un char détruit. Est-ce qu'il y a des choses à récupérer? Non. Non, 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 non. Oh. Oh, oh, il y a un méchant. Il y a une méchante. On va essayer de lui tomber dessus avec la pelle. Oh, on va lui tomber dessus avec la pelle. Oh, ça serait bien qu'il s'approche quand même. Allez, descend. Il a pas d'arme, hein, si, ouais. C'est où le méchant? Oh, il y en a par là. Ils sont là, bon, c'est parti. Oh oh. Tranquillou. Bah tranquillou. Bon, il y a des choses ici ou pas? Ah oui, je me trompe de touche. On va ramasser ça. Bon, ça on s'en fiche. Et hop, fusil à pompe qu'on va échanger contre ça. Voilà. Et on va prendre ça. Edwards, vous voilà mon garçon. Bah ouais. Magique pilote, c'était magique. Oh, on se croirait même pas à la guerre. C'était magique. Reculez, je vais franchir les barbelés. Vas-y, casse tout mon gars. Pourquoi je n'ai pas de description, on a déjà vu mieux. Passez le pont et guidez-nous. Et ne vous éloignez pas trop. Je vous éloigne pas trop, t'es comique, c'est toi qui traînes mon gars. Oh oh. Ok, là je peux pas aller. On va prendre la hauteur. Ah ok, je vois genre de corps. Ouais. Alors, on a marqué deux ennemis. Je sais pas où sont d'autres, on va tirer sur l'autre. Oh, 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 il y a un autre char. Il y a un char, il y a un canon. Elle a bouffé les grenades. Il y en a aucun qui a envie de me rush là pour que je récupère des armes. Voilà. On fiche de cette arme là. Il faut des armes là, désolé les gars. Oh super.
Une batteuse. Ah, le char est passé. On va voir si je peux le réparer, ouais. On peut le réparer, on est calme, on est tranquille. Oh. J'aime cette arme. Moi, est-ce qu'il y a des méchants ici? Je crois pas, non. Bon. Oh. Deux mitraillettes? Allez. Mais ça, j'ai toujours le mien après que tu me donnes ça, toi. Allez, imbécile, reprenez-vous. On compte sur vous pour s'en sortir. Je te permets pas, mon vieux. Faites attention à vous, on va s'occuper de ça. Si on traite d'imbécile, bah, crée pas. Dis-moi, Thompson, il a pris de la confiance, mon gars. Je n'y vois rien. Edward, passez devant et guidez-nous. Yeah. On se la joue en mode full rush. Cette mission là, je m'en rappelle. Je crois que c'est la partie la plus facile. Je crois que ouais, c'est la partie la plus facile de la mission. Reste en arrière, toi. Imbécile. Oh, 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 ça. Mais ça tire à balle arrière ici, dites-moi. Je suis pas en mode facile, hein, les gars, pourtant, je vous le promets. Hein. Même assez fou comme c'est facile. Bon, il y a des souterrains encore. Il n'y a pas une arme un peu chelou que je peux prendre? Pistolet war nettoyeur, non merci. Une pelle, mais j'en ai une de pelle. Bon allez, reprenons le chemin. Hop, je vais en tête. Ich, le pont. Là, où est-ce qu'ils sont? Je ne m'en rappelle pas. Là, mon gars, il faut que tu passes en premier. Hein. Pas mal, Edward. Nous sommes presque sortis de cette forêt. Super. Mais... selon la carte, on devrait bientôt être sortis de cette satanée forêt. Non, mais j'allais dire, il faut que tu avances, mon gars. On va traverser le pont qui est ici. Et ensuite, ça ne devrait plus être long. Ok, mon gars. Oh putain. Ok, on descend. Ouh là, ça pique, ça pique, ça pique. Quand même, hein. Oh là 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 là. Oh le beau Stanheim, c'est le casque. C'est quoi ça? Le tank Gewicht. Ah, ça devait être fusil t-shirt. On s'en fiche. Ah. On va tirer leur tir. Contournez-les et attaquez par derrière. Ok, mec. Mais d'abord, on va te préparer un coup, mon gars. Je crois que c'est déjà la fête, cette partie-ci de la mission. Ça aurait été assez vite, finalement. Tant mieux, ça fait un épisode un peu plus petit. Ouais, maintenant, ça se met ici, ça va durer 2 heures. Hein, mais...
Bon, là, je peux quand même pas trop. Je peux quand même pas trop y aller en mode bourrin. Non, je vais me faire déglaguer. Ok. Il y en a qui est tout près. Comme tu dis, mon gars. Ce serait bien que tu t'amènes. Ok, peace. Bon. Le premier, on l'a eu. On va rentrer dans le bunker. Si c'est possible, évidemment. Hein. Ok, on m'a pas vu. Ouais, allez, vas-y, viens, mon gars. Ok, ça lance grenade. Je ne sais pas si je peux leur taxer un tank. Ouh, je suis dans la zone de combat. Je coupe, hein. Je coupe. Mais c'est parfait, ça. Dans ce moment, on va penser que je suis à. Un ami. Et c'est parti. Du coup, là, je sais pas trop ce qu'il faut. Ok, j'ai qu'une arme sur ce char. C'est le petit canon. Je sais pas du tout ce que je suis censé faire en vrai. Allez, reviens ici. Oh oh. Oh mais d'où? Et là, il y a personne qui peut venir. Toi, c'est bizarre qu'il n'y a pas de mode visée. Oh, il y a un char. Voilà, et deux. Je sais pas où il est l'autre. Il était derrière moi. Ok, ça tire par là. Mais ben ça répond pas ou quoi? Sérieux?
Voilà. Ah ouais, réveillez-vous les boches, je vais la faire, je sais même plus ce que je suis censé faire en fait. C'est un truc à chercher ou quoi? Bon, je sais pas, on va aller vérifier dans le bunker là parce qu'apparemment... Oh, j'y suis. Oh oh, Blachard. Où est-ce qu'il est? Ouais, ce serait quand même mieux si je te voyais. Là en dessous, feu. Voilà. C'est fait, on va la voir. Eh bien, ça suffit pour la journée. Edward, grimpez et prenez les commandes. Fichons le camp des filles. Ok, mon capi-chef. Si je ne l'avais pas vu, je ne l'aurais pas cru, Edward. Bon travail. Et voilà, et ben ce sera sur ces magnifiques images. Un bon vieux champ de bataille comme on les aime, qu'on va se laisser déjà. Ouais, l'épisode plus court, mais c'est l'émission, ouais, qu'est-ce que je vous dise. On va laisser un peu la vidéo pour voir ce qu'on va nous raconter. Oh mon dieu, mon pince. Alors Edward, c'est quoi? Il faut qu'on change les bougies. Ah, ça sent la merde. Vous devez localiser le village. Alors, vous le voyez? Vous voyez le village? Oui. Oui, je le vois. Et dites-moi si vous voyez nos chars. Est-ce que vous voyez nos chars là-bas? Ah oui, mais c'est plus vraiment les leurs, hein? Oui. Mais ce ne sont plus les nôtres maintenant. Aïe, ça sent mauvais. On dirait que, pour le réparer, on va devoir aller dans ce village. T'en tiens des confiants, mais McManus, non, hein? Allons-y, Edward. En route. Bonne chance. Bon, allez. Visiblement, on va devoir faire de la filtration. Abandonne la mission. C'est pourtant clair, Finch, Pritchard, nous tous. Tout le monde s'est fait avoir. Si c'est ce que vous voulez, McManus, foutez le camp. Je vous interdis de me parler comme ça. J'ai plus de missions à mon actif que vous n'en aurez jamais. Foutez-nous la paix. En même temps, t'en avais combien ton actif, malheur? Les chars, ça faisait pas 200 ans qu'ils existaient aussi. Bon, allez. On va se laisser. On va s'en sortir tous ensemble. C'est une magnifique vue, hein. Vous trouvez pas? Trouver les pièces, réparer le char, ne pas mourir. Magnifique décor là, je sais pas c'est quoi la ville dans le fond là, dans son mode corbre. Je sais pas si c'est aussi grand, je sais pas du tout. Bon, sur ce les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, plus courte hein, comme j'ai déjà dit au moins 25 fois dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, un petit like, vous exprimer dans les commentaires, je me ferai une joie de d'y répondre tout simplement. Merci aux fidèles hein, qui me suivent, hein, même si c'est vrai que je ne suis pas le plus constant, merci à vous de me suivre quand même. Malgré tout, je vous fais des gros bisous, c'était Marco, je vous dis à la prochaine, ciao!